J'ai besoin d'une pause. J'ai un truc sur Narshada qui peut pas attendre. Des vieux amis sont dans la panade. J'ai promis que je les aiderai. C'est juste une livraison, ça sera pas long. Tu ne m'as jamais dit que tu avais des amis. J'étais populaire avant de devenir Jedi. Maintenant, je suis hyper populaire. Narshada est pleine de réfugiés. Les Hutt? Pas ce qu'il y a de plus généreux. Les gens meurent de faim. Mes amis demandent rien d'extraordinaire. Juste des medipacks et de la pâte alimentaire. Des trucs faciles à trouver. Si on fait ça, je demanderai à ses amis des détails sur ta folle jeunesse. Je leur ferai inventer des trucs bien. Amenez-moi auprès de mes amis. Je m'occupe du reste. Tu voulais me voir ? Continue. Tu finiras par y arriver. Quelle était ta mission ? C'est qui ou quoi le Guénoir Adam ? L'ambassadeur a peut-être démissionné, mais tu lui as sauvé la vie. Tu es un héros, T7. On dirait que le vieux Doc arrive à point nommé. Comment avez-vous pu survivre avec un droïde et Miss coincé pour ce l'ami ? T7 est extrêmement loyal. Et vous appellerez ma camarade Jedi par son nom. D'accord. Quel est son nom ? Snira ? Qui vivra ? Peu importe. Quelques petites choses avant de m'installer. D'abord, j'aime que mes quartiers soient au moins 5 degrés plus chauds que le reste du vaisseau. Je ne mange que des gâteaux énergétiques. Faites des stocks. Et il me faut 30 minutes dans les rafraîchisseurs chaque matin. C'est tout. Vous êtes sûr que ça ira ? Je peux demander à T7 de laver votre linge ou de vous bercer le soir. La lessive, c'est fait. La berceuse, j'ai toujours une femme avec moi pour s'en charger. Je n'ai jamais vu un médecin logé à côté du compartiment moteur. Ce n'est pas vraiment pratique. J'ai connu pire. En attendant que tout soit en place, restez en un seul morceau. Ordre du médecin. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant qu'on forme une équipe, ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie soit sauvée. Préparez-vous à la fortune et à la gloire, l'ami. Quand cette guerre sera terminée, vous croulerez sous les belles femmes. Mes fans seront déçus. Le code Jedi m'interdit de nouer des liens émotionnels. Qui a parlé d'émotions ? Attendez, vous ne pouvez pas profiter de vos admiratrices ? Une chance que je sois là pour consoler ces pauvres femmes. Le vieux Doc connaît bien la célébrité. Débarrasser une planète de l'épidémie qui la ronge, et ses habitants reconnaissants vous donneront tout. C'est mal de profiter de cette générosité. Les bonnes actions se suffisent à elles-mêmes. Oh, vous étiez sérieux. Oui, monsieur, quand cette galaxie sera sauvée, vous aurez des tas de choses à faire. Et je serai là pour vous accompagner, mon ami. Kira ? C'est toi ? Et je viens pas les mains vides ? Comment ça va, vous tous ? Mieux maintenant. J'arrive pas à croire que c'est toi. Un Jedi. Tu as tellement changé. Kira est plus qu'un Jedi. C'est une héroïne. Vous devez être le maître de Kira. C'est un honneur. Je me souviens de cette petite fille. Emmitouflée dans plusieurs couches de vêtements. Pour paraître plus forte qu'elle l'était. Eh, ça marchait. Avec assez d'épaisseur, on n'y voit que du feu. Kira ne parle jamais de son passé. Y'a rien à dire. La vie était dure et puis je suis devenu un Jedi. Mais j'ai jamais oublié mes amis. Enak, distribue la nourriture et les médicaments. Notre peuple a assez attendu. Pars maintenant. Cette famine, c'est ta faute. Notre peuple souffre
à cause du massacre que tu as perpétré en son nom. Les Urkosag. Qui est cet homme? De quoi parle-t-il? Son nom est Darshin. Il a toujours été le chef ici. On a... des différends. Les Urkosag étaient une plaie. Ils s'amusaient avec nous. Vol, meurtre et pire encore. Pour le plaisir. Je suis allée les voir. Je leur ai demandé gentiment de nous laisser tranquilles. Ça a mal tourné. Ils sont morts. Tu as massacré les Urkosag. Tu as fait de leur mort un spectacle et tu as répandu la terreur en notre nom. Tout le monde nous craint. Il me semble que Kira a réglé votre problème avec le gang. Bien sûr que je l'ai réglé. Ils ont compris qu'on s'en prend pas à mes amis. Notre réputation effraie ceux qui pourraient nous aider, mais des gens désespérés continuent à chercher refuge ici. On ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde. Je vous apporterai plus de choses. Je protégerai mon peuple. Non, Enak a eu tort de te demander de revenir. Ta présence fait plus de mal que de bien. On ne choisit pas auprès de qui on mendie. Allez vous faire souffrir les vôtres parce que vous en voulez à Kira? Elle a fait une erreur, mais ça ne veut pas dire que vous devez refuser son aide. J'essaierai de me faire pardonner, Darshin. Je le promets. Tes promesses ne valent rien à mes yeux. Tout le monde est content que tu sois là, Kira. On veut te remercier. Tu ne peux pas rester un peu? Pas cette fois, mais je reviendrai. D'ici là, prenez soin de vous.